Je suis très inquiet pour mon fils, plus qu'inquiet, terrifié. Ses agissements de ces dernières semaines ne sont pas normaux, ils sont malsains. J'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Au début, il venait se poster sur le seuil de la porte. Il le faisait la nuit, juste avant que je m'endorme. Je me tournais pour éteindre la lampe et il était là, sur le pas de la porte. Bien sûr, j'essayais de lui parler, mais je ne le fais plus. Il ne m'a jamais répondu. Il ne faisait que me regarder fixement. Il y a quelques jours, il a progressé. Il ne reste plus sur le pas de la porte. Il vient maintenant s'asseoir sur le lit. Il ne parle pas. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Je lui ai demandé si quelque chose le préoccupait. Ce n'est pas dans ses habitudes d'être si silencieux. Généralement, il attend que ma femme s'endorme. C'est ça qui me choque. Elle s'endort avant moi, et il n'est jamais venu quand elle était réveillée. Elle n'est pas impliquée. Je ne sais pas ce que je vais faire si ça continue comme ça. Je commence à me demander s'il sait que c'est moi qui l'ai tuée.